Bonjour mesdames, peut-être messieurs dames, on ne sait jamais. Il peut y avoir des messieurs, bonjour messieurs, mesdames. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en grande forme. Je vous laisse vous connecter, je ne sais pas combien on va être. Bonjour monsieur, un petit peu en aujourd'hui, 27. Une personne, deux personnes, trois. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement. Bonjour Colette. Ah, décidément, Colette, on est presque à tous les rendez-vous. Allez, poussez tout ce que vous avez autour de vous, les tables, les chaises, prenez une serviette, une bouteille d'eau. Bonjour Sacha, bonjour Colette, oui. Et il y a le chat qui dit bonjour Oxo. Coucou. T'es en forme aujourd'hui? Enfin, je crois qu'il est bien en forme. Hein. Il est toujours en forme de toute façon, c'est ça. Même la nuit, il est en forme. Antoine, bonjour Antoine. Je cherche, j'espère que ça va. N'hésitez pas à prendre donc serviette, petite gourde, petite bouteille d'eau et une chaise. On fera quelques exercices avec une chaise si vous pouvez. Ce n'est pas une obligation évidemment. C'est simplement un petit outil de travail aujourd'hui pour avoir un petit point. Si vous ne l'avez pas, c'est absolument pas grave. Quelle heure il est? Il est 29. Allez, dans une petite minute, on démarre. On va être une petite trentaine, je pense. 30 mamans motivées sur toute la métropole. Et peut-être même ailleurs. Va falloir qu'on fasse un travail de ce côté-là, parce que je pense que c'est un moment important pour les mamans, anciennes mamans, actuelles mamans, futures mamans. C'est très important. Ce qui me permet de rebondir d'ailleurs, de dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment, hein, si vous êtes enceinte. Et si vous avez autorisation médicale, bien évidemment, vous pouvez faire ce type d'exercice. On est sur de la mobilité, on est sur du petit renforcement musculaire. Donc, s'il n'y a pas de compatibilité, vous pouvez le faire, évidemment. Demandez quand même avis à votre gynéco, sachant qu'on ne fait pas des abdos en force, on ne fait pas d'impact. Tout est sous contrôle. Mais toutefois, quand même, vigilance. Voilà. Pour le reste, c'est que de la gym douce, de la gym soft. Donc, c'est vraiment de la gym pour se faire du bien. Et si les séances du soir vous paraissent trop intenses, trop difficile ou trop élevé dans l'intensité, et bien ça vous permet de faire quelque chose de plus direct. Allez, c'est parti, il est 30. On va partir avec les jambes écartées. On va placer légèrement les pointes de pied vers les extérieurs, un buste bien droit. On va faire un travail très simple. Vous allez orienter les paumes de main vers l'avant. Vous déportez légèrement les bras vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. On va inspirer par le nez sur 5 secondes. Parfait. Les 5 secondes suivantes, vous appuyez bien vos épaules, vous sentez que vous avez cessé le caisson thoracique et vous prolongez pareil sur 5 secondes. On reprend l'inspiration, on fait ça encore deux fois. Même chose, inspire sur 5. Dernière fois, inspirez bien. On expire sur 5. Parfait. Enroulez les épaules. Très cool. Petit mouvement. On se détend bien les muscles du cou, le travail. Essayez de sentir qu'il n'y a aucun mouvement brusque. Parfait. Ensuite, vous allez placer les mains sur les cuisses et on va travailler en quatre temps. Vous allez descendre avec les mains sur le bas de vos cuisses. Donc à ce moment-là, vous enroulez le haut de votre dos et vous placez le menton contre la poitrine. La phase 1, c'est on va dérouler tout doucement la colonne vertébrale pour remonter, engager les muscles posturaux, ouvrir la cage thoracique. Phase 2, on écarte les bras, ouverture, j'inspire. Phase 3, petite mobilité au niveau du bassin, vous faites ce qu'on appelle de la rétroversion, vous déplacez vos hanches en avant et vous allongez les bras vers l'avant sans forcer, juste dans la direction. On place la tête entre les bras. Et phase 4, vous allez d'abord dérouler votre dos. Tout doucement le dos, la nuque, on redresse la tête et seulement ensuite, on monte les bras vers le plafond en prenant soin de garder les épaules abaissées. Voilà. Et tranquillement, je relâche les bras sur les côtés. On refait ça deux fois. Souple sur les jambes, enroulé vers l'avant. J'inspire. J'expire, j'engage mon transverse, mes abdos. Je déroule la colonne vertébrale, la nuque. J'ouvre les bras, j'inspire.
La rétroversion du bassin, j'allonge les bras, je souffle. J'inspire une nouvelle fois. Je déroule le dos, je redresse la nuque, je monte au-dessus de la tête et je maintiens en inspirant. Et on relâche. Allez, la dernière comme ça. Inspirez. Soufflez. Ouvrez la thoracique. Inspirez. La bascule du bassin. J'enroule, je souffle. Déroulez bien le dos, la nuque. Montez les bras. Et relâchez. Soufflez. Parfait. Très tranquillement, vous posez les mains sur les cuisses. Alors, vous essayez de garder le dos bien droit. Vous stabilisez bien les hanches. Et vous descendez juste comme ça, latéralement, sur les côtés. Si vous ne pouvez pas le faire, parce que vous avez la région lombaire sensible, vous allez juste faire un petit moment de rotation dans ce cas, à droite, à gauche. Essayez d'inspirer, de souffler. Voilà, essayez de ne pas vous enfermer si vous faites ça avec le buste en avant, mais essayez au contraire d'avoir un buste bien droit, la poitrine bien en avant, et juste essayez de sentir que la rotation, elle se fait avec les épaules, certes, mais c'est sous contrôle au niveau de vos ados. C'est ici, vraiment au niveau de la taille qu'on contracte, ce qui produit le geste. Voilà, pas de mouvement brusque. Vous essayez d'inspirer sur un aller-retour et de souffler. Même chose sur l'aller-retour suivant. Ou alors, au contraire, vous soufflez sur trois mouvements à la suite et vous inspirez sur le quatrième. Voilà, ça c'est si j'ai le dos sensible. Sinon, vous restez ici sur les côtés. Vous cherchez à descendre modérément. On le refera ensuite tout à l'heure. On mélangera les deux actions. L'idée, c'est surtout d'assouplir. Hein. Ce n'est pas de renforcer pour la première phase. C'est de sentir qu'on travaille la mobilité de la colonne vertébrale. On met en tension les muscles de part et d'autre. Même chose, on les étire. Allez, 4 fois. 3, 2, parfait. Les mains au niveau des hanches. On oriente légèrement les fesses en arrière, donc comme si on saluait un adversaire en judo. Et on remonte en essayant de sentir l'engagement des abdos, du périnée et des fessiers. Voilà. Pas très loin en avant. Juste un petit peu de mobilité. On en fait encore deux. N'hésitez pas à préserver les mains sur les cuisses. Et là, vous allez stabiliser ici. Parfait. Soit vous avez le dos sensible, je vous invite à rester dans la position. Soit vous n'avez pas le dos sensible, vous partez avec les bras devant vous. Vous allez tirer les coudes près du corps. On serre les omoplates, on inspire. Et on redescend, on expire. Voilà. Si vous avez le dos sensible, vous mettez les mains sur les genoux, vous lâchez une main, vous inspirez. Vous essayez de ne pas twister les épaules. Par contre, les épaules restent bien dans l'axe. On va venir souffler et vous changez de main. Et si vraiment vous n'avez aucun souci, avec les deux bras. Allez, inspirez bien, ouverture de la cage thoracique, je redescends, je souffle. Attention à ne pas cambrer. Encore deux fois, inspirez, soufflez, inspirez, et soufflez. Parfait, vous revenez tranquillement en poussant sur les jambes. On redresse, on place les mains au niveau des hanches. Inversement, vous allez être sur la rétroversion du bassin, donc ici, en arrière. Vous inspirez bien, vous cherchez à serrer les abdominaux et vous basculez. Rétroversion en souffle. Alors, dans un idéal, essayez de sentir que le bassin ne bouge pas par la contraction de vos abdominaux. D'accord? On va en faire 5 de plus. Inspirez bien. 4 fois. En gros, c'est parce que vous contractez les abdos. Là encore, le bassin bascule en avant. 3 fois. N'oubliez pas le périnée. 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche. Parfait. Vous revenez en haut. Vous placez les bras en croix cette fois. Vous faites bien en sorte d'abaisser vos épaules et vous allez engager des petits cercles. Alors là encore, les bras, ils vont tourner, oui, mais ce n'est pas les bras et les épaules qui m'intéressent. C'est le travail au niveau des dorsaux. Donc, vous sentez bien le travail au niveau des omoplates. Comme le geste est court, vous allez inspirer et vous allez prolonger l'expiration. Parfait. Donc, continuez à faire cet exercice-là. Pendant que vous soufflez, là encore, on imagine le transverse qui se contracte, la sollicitation du périnée et le relâchement global du corps. Parfait. 3, 2, on bloque. Là, vous allez travailler sur la rotation externe avec l'épaule. C'est-à-dire que vous allez tourner l'épaule en dehors, ce qui va ouvrir un peu plus la cage thoracique. On inspire. Et inversement, on revient avec les épaules en rotation interne. On en fait 10, inspirez et soufflez. Alors, essayez de faire le dos, il fait pas ça. Le dos ne vacille pas d'avant en arrière, le dos est stable. C'est vraiment au niveau des épaules que l'on pivote. Et ce qui permet, lors de la rotation externe,
D'ouvrir l'épaule, ça permet également d'ouvrir la cage thoracique. Cinquième. Sixième. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Soit vous pouvez maintenir et vous restez, soit vous pouvez pas, parce que c'est trop difficile dans ce cas-là. Vous baissez un petit peu les bras, vous faites une petite pause et vous repartez. On recommence comment? Exactement comme on l'a fait précédemment. Petit cercle, encore une fois, en essayant de jouer sur le rapprochement des omoplates. Allez, pas de crispation sur les bras, pas de crispation sur les épaules, pas de crispation sur le trapèze. 5, 4, 3, 2, on repart de nouveau, rotation interne, rotation externe. Allez, je souffle et j'inspire. On souffle et on inspire. Ouais, c'est quand même cool comme gym, hein? Il n'y a rien de violent. On va solliciter en profondeur, on va solliciter les muscles avec la rotation, mais en plus de ça, on est sur une conscience au niveau du corps. On sent l'engagement du transverse, on sent l'engagement du périnée, on sent le relâchement de l'ensemble du corps. On sent qu'on a le temps de poser la respiration. Dernière fois, on revient ici, on reste 5, 4, 3, 2, 1, parfait. Relâchez un petit peu les bras. Je vous invite à replacer les mains au niveau des hanches. De nouveau, mise en tension des abdominaux. Je place les fesses légèrement vers l'arrière, ce qu'on appelle une inversion sans forcer. Et par l'expiration et la contraction des abdos, on engage la rétroversion. Allez, c'est parti. Donc les jambes sont souples, hein. Vous déverrouillez bien les genoux. Et au-delà de simplement sentir que la contraction engage le bassin, essayez également de faire participer. Sixième. Septième. Huitième. Allez, encore 2, 9 et 10. Parfait. Vous redressez, vous placez les bras ici, les épaules bien abaissées. On reprend la glissade, mais cette fois, les bras sont fléchis. Voilà. Donc, très modérément, on pilote bien le mouvement, on l'accompagne, on rapproche les omoplates et surtout, on souffle. Après, on en reparlera parce qu'il y a souvent des femmes qui, malheureusement, après une grossesse, ont des soucis malgré la kiné postnatale. Alors, c'est soit que la kiné, vous n'avez pas faite suffisamment, des fois ça arrive qu'on l'ait courte, soit on peut aller plus loin dans la kiné, dans la kiné postnatale. Il y a vraiment des kinés avec qui je travaille qui ont des méthodes particulières. Alors, vous connaissez forcément la sonde, c'est bien, mais il y a aussi beaucoup la rééducation en mouvement, la rééducation dynamique. Et ça, tout le monde ne le fait pas tout le temps. Je ne parle pas des professionnels, hein. Bien sûr qu'ils sont courants, qu'ils savent faire, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours. Et c'est très important pour éviter justement certains problèmes. Allez, 5, 4, ou en tout cas, ça peut en régler certains autres. 3, 2, vous allez redescendre les coudes ici, très du buste, un arc de cercle, on remonte en inspirant, et on descend en expirant. Inspirez, et soufflez. Inspirez, 3, on va essayer d'avoir une représentation de votre corps dans le mouvement, de façon à avoir un buste bien placé, pas un buste relâché, des épaules bien abaissées et pas de crispation dans le geste. Voilà, surtout pas en force. Je vous propose d'en faire encore 3. Deux fois. Une dernière fois. On va stabiliser, on reste. Vous bloquez ici, vous gardez les bras en rotation externe. Donc là, vous avez les bras écartés. Et une fois que vous avez la position avec écartée, sans solliciter votre dos, vous allez déporter les bras vers l'arrière. Vous inspirez. Ils vont venir tranquillement. Allez, on inspire et on souffle. Inspirez et soufflez. Alors là, on est en train de faire un travail sur les dorsaux, sur les posturaux, mais vraiment, si vous concentrez également sur la respiration transversale abdominale avec votre périnée, vous faites un travail ici vraiment sur la conscience musculaire. Vous intervenez vraiment sur des segments profonds au niveau du transverse. Ça permet de consolider le travail et ça permet aussi de préparer un autre travail, un deuxième plan de travail qui sera beaucoup plus focus justement sur le ventre. Allez, inspirez, soufflez. Très bien, encore une fois. Soit vous éprouvez le besoin, encore une fois, et vous lâchez les bras. Soit vous pouvez tenir s'il n'y a pas de tension externe. Vous allez déporter une nouvelle fois les bras vers l'arrière. On reste sur un mouvement élastique. Donc jamais de contrainte, jamais de force. Et maintenant, en travaillant une nouvelle fois sur le rapprochement de vos omoplates, vous faites des petits mouvements ici. 1, 2, on en fait 5, 3, 4, 5, on inspire.
Et on décompresse, on revient un peu plus en avant en expirant. Et on repart. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et on décompresse, on revient en expirant. Donc essayez de sentir, vous n'êtes pas ici à rebondir, mais vous employez vraiment le travail intelligent pour sentir que ça fait rapprochement d'omoplate, relâche. Rapprochement d'omoplate, relâche. Qu'il y a un vrai mouvement mécanique. Allez, encore deux fois. Redescendez, soufflez. Ça remonte. 3, 4, 5, ça redescend. Et la toute dernière fois, allez-y, remontez, inspirez. Et on revient. Parfait. Allez, roulez les épaules. Si vous voulez bien, je vous invite à boire un petit peu. On s'hydrate. On pourrait imaginer que ça de l'extérieur, c'est une gymnastique douce, que ça ne sert à rien, c'est pas rien. Ça permet de lubrifier les articulations, de travailler l'élasticité musculaire, tendineuse, ligamentaire. Ça permet de faire en sorte que tout ça se travaille. Je parle de conscience, c'est très important la conscience. Il y a le mouvement mécanique que l'on peut produire comme ça rapidement. Et puis il y a la prise de conscience. Et c'est construire, ça intégrer son schéma différemment. Et ça permet de reproduire aussi des exercices autrement, même quand l'intensité est plus forte. Si on a fait ce travail-là en amont, on a beaucoup plus de conscience dans la qualité du geste. Donc, c'est très important de faire ça. Et surtout, vous concentrez l'énergie à des endroits très précis. Donc, ça permet d'aller là aussi beaucoup plus vite sur les futurs résultats. Allez, on va prendre la chaise, si vous voulez. Alors, on va travailler en deux temps. Je vais faire alternance, renforcement musculaire, membre inférieur. Et quand on va récupérer, on fera un travail sur le haut du corps, plutôt autour de la taille. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de partir avec les mains derrière la chaise. Donc, mettez plutôt l'assise devant vous. Hein. Les mains. D'ailleurs, le dossier de la chaise devant vous, vous allez descendre en position squat, donc les pieds parallèles, largeur du bassin, pointe du pied tournée vers les extérieurs. Vous descendez et vous essayez d'avoir un dos plat. C'est hyper important. Alors, si évidemment vous avez un petit bidou, et bien vous mettez les mains ici sur la chaise, vous ne descendez pas forcément très très bas. Par contre, vous faites en sorte de bien garder le poids du corps dans les cuisses, ne pas laisser le bassin partir en arrière et non plus, enfin, essayez de maintenir aussi votre dos de façon à ne pas cambrer. Donc, progressez peut-être un peu plus votre dos et gardez bien l'appui avec les mains sur la chaise. Sinon, on descend plus bas dans les jambes. On va tenir. On va commencer par 5 secondes. Voilà. Vous checkez le transverse, vous checkez le périnée. Vous essayez, malgré l'appui, de ne pas vous crisper. 3, 2, vous remontez, vous poussez dans les jambes. Et là, vous venez appuyer avec le plat des mains sur le haut de la chaise. On stabilise. Buste droit. Transverse engagé. Périnée maintenu. On reste dans les cuisses. Et vous exercez avec les mains une pression vers le bas, comme si vous cherchiez à enfoncer la chaise pardon, dans le sol. 5 secondes. 1. C'est au niveau des abdos que vous travaillez, hein. C'est l'hypopressif. 3, voyez bien à ce que vos épaules sont relâchées. 4 et 5. On inspire, on redescend. On stabilise. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. On continue le travail. Pression avec les mains sur la chaise. Essayez de rester neutre ici. Par contre, c'est hyper engagé dans le transverse. 3. Et on redescend, on inspire. Alors, essayez d'en faire au moins 3 à la suite. Et si vous pouviez aller jusqu'à 5, ce serait parfait. On remonte. On inspire. Et on maintient en plus, on souffle. On descend, on inspire. OK. On monte, inspirez. Pensez périnée. Hein. On tient. On est inspiré. Stabilisé. On remonte, on souffle. Inspirez, poussez. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche un petit peu. Soit vous refaites la même chose, soit vous refaites la même séquence 3 fois, mais sur 10 secondes cette fois. On inspire, on descend, on maintient. Regardez surtout la position que vous avez au niveau du doigt. Le doigt ne doit pas être là. Vous êtes certes à l'appui avec les mains, mais le dos relativement droit. On remonte, on inspire. Alors, si vous ne pouvez pas tenir l'hypopressif sur 10 secondes, vous le faites sur 5 secondes ou 2 fois 5 secondes. On inspire et c'est parti. On inspire. On descend, on maintient. Allez. Sept. 8, 9, on inspire, on remonte, inspirez, je mets en place transverse périnée et j'appuie.
sentez les côtes qui s'abaissent. Hein. Là, théoriquement, vous devez sentir justement la tension abdominale. Top, on inspire. On descend. On stabilise. Allez. 5, 4, 3, 2. On pousse sur les pieds. On remonte tranquillement. On va chercher les fibres musculaires. Une à une. On inspire. De plat, épaule abaissée. Et c'est reparti. Très bien, vous relâchez un petit peu la chaise. Tout à l'heure, je vous ai parlé du travail sur la taille. Vous écartez un petit peu les jambes, genoux pour les pieds tournés vers les parties hautes. Vous inspirez, vous soufflez en montant. Vous inspirez et vous soufflez. Maintenant, si vous pouvez faire, inspirez et soufflez sur trois. C'est pas plus mal. Inspirez et soufflez. Et si vraiment, par le mouvement des lombaires, si en partant de part et d'autre, vous sentez que sur les côtés, vous avez un peu le dos sensible et que ça peut pincer, dans ce cas-là, vous ne faites pas d'inclinaison et vous restez sur ce que l'on a dit tout à l'heure, le travail sur la rotation. Allez. On continue là-dessus. Hein. Dans les deux cas, vous imaginez que vous avez cette ceinture. Le transverse, en fait, il passe ici. D'accord? C'est comme une gaine, en fait, ni plus ni moins. Et quand vous allez essayer de souffler, lui, hop, il va se rapprocher comme ça. C'est pour ça que je parle toujours d'image de la ceinture. Vous sentez que cette ceinture-là, hop, elle sera fermée. Et plus vous faites le travail à l'expiration, plus vous mettez le transverse en tension, plus dans l'image, vous pourrez mettre deux crans de plus à la ceinture. Et là, vous êtes sûr de contenir votre transverse. Là-dessus, vous y ajoutez le périnée. Et on est bien. Voilà, on souffle. Parfait. Pour ceux qui étaient sur l'inclinaison, là, vous refaites exactement la même chose, mais vous remontez avec nous et vous mettez également sur la rotation. On fait la même. On souffle sur trois. On inspire sur un. Parfait, ma foi. Très bien. Si vous éprouvez le besoin de faire une pause, vous faites une pause. Sinon, on repart d'ici, on recommence le même travail. Alors, pour ceux qui étaient sur la rotation, vous pouvez aussi faire un petit peu de translation, c'est-à-dire ici, mais par contre, vous ne déportez pas très très loin sur les côtés. Vous n'allez pas prononcer le déplacement latéral. Vous restez juste sur un petit mouvement ici qui va quand même solliciter. À partir du moment où vous avez la conscience, effectivement, de contraction, si vous faites ça, déjà, le travail sera en place. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Je dis, enfin, je donne cet exercice-là au cas où vous auriez la fameuse sensibilité au niveau R. Si vous n'avez aucune sensibilité, effectivement, vous pouvez prolonger l'exercice de part et d'autre. Et là, je vous invite plutôt à inspirer, inspirer et souffler. Souffler. Donc, vous avez le choix. Hein. Vous en avez trois. Un, sur les côtés en inclinaison. À ne pas faire si vous avez le dos sensible. Deux, a priori, pas de gros problèmes. Mais par contre, pivotez bien la rotation par la taille, par les abdos. Et voir 3 en petite amplitude, juste pour sentir le travail, ou alors avec plus d'amplitude si vous êtes à l'aise. Par contre, cet exercice-là qu'on voit souvent comme ça, je ne suis pas hyper fan. Alors certes, en termes de tonicité, ça apporte un peu plus de peps, mais si on veut vraiment qu'il soit efficace, il vaut mieux assurer la contraction musculaire et la respiration, ça vous apportera beaucoup plus de bénéfices que de le faire trop vite et finalement d'y perdre un petit peu en tonicité. Par contre, il y a d'autres exercices à faire pour rendre effectivement la taille plus tonique. Allez, tenez bon. Et bien là, on est quand même une petite quarantaine, c'est bien. Allez, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Très bien. Vous allez revenir derrière votre chaise. Cette fois, vous allez solliciter beaucoup plus les intérieurs des cuisses. Vous allez écarter davantage les jambes. Vous ouvrez bien les genoux, les pointes des pieds vers les extérieurs. Là encore, le buste droit, les épaules abaissées. On va venir ici toucher avec les mains l'assise au niveau de la chaise et vous remontez en mettant les mains au-dessus. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Il y a le travail des quadris, il y a le rapprochement des fessiers en montant, il y a la poussée avec les pieds dans le sol et il y a encore une fois le transverse et le périnée quand vous arrivez en haut. Enfin, même quand vous êtes en bas d'ailleurs. C'est juste que comme vous soufflez arrivé en haut, les abdominaux sont expirateurs, donc vous privilégiez bien l'expiration par les abdos. Allez, on va arriver gentiment à 10. Si vous avez besoin de faire un break, vous faites un break. Si vous pouvez continuer, vous continuez. Ça fait 15. Vous pouvez aussi vous arrêter là.
Parfait. Et on monte, on relâche. Alors, à partir de là, je vous invite. On va se mettre de profil par rapport à la chaise. Donc, vous allez mettre la chaise sur un côté. Vous allez partir de profil. Vous allez laisser la jambe qui se trouve à l'extérieur bien en appui. Donc, vous allez essayer d'avoir le genou bien au-dessus du pied, la hanche au-dessus du genou. Donc, un alignement quasi parfait entre le haut et le bas du corps. Vous ne laissez pas le corps partir sur le côté. Ici, vous cherchez à bien serrer vos abdos, c'est important. Bien et bien. Vous montez le genou. Vous avez le dos légèrement, très légèrement incliné en avant. Et en prenant appui sur la chaise, vous allez faire une extension de hanche. Alors, vous allez monter la jambe sur l'arrière. Je me mets de l'autre côté. C'est ma jambe extérieure, c'est pas grave. Hein. C'est pour vous montrer l'exercice. Par la fesse, vous allez monter ici sur l'ouverture de hanche. Donc, ça va faire une extension. Le problème de ça, c'est que si vous montez, vous risquez de cambrer. Donc, checkez bien ici. Lâchez pas le périnée. Et sentez vraiment que c'est la jambe qui fait l'aller-retour. Je souffle en même temps. Et je tiens le retour. Voilà. Pas ça. Pas ce mouvement-là, c'est ce que je vous disais juste avant sur les abdos. Oui, on peut faire des exercices dynamiques, mais d'abord, travaillons sur la conscience. C'est là où vous allez employer les muscles et les fibres. Donc, essayez de sentir, vous y associez bien par exemple, dans la contraction, l'expiration. Et allez chercher vraiment la tension musculaire. Alors, pas extrême, n'allez pas au bout de course, vous allez sentir que vous êtes totalement crispé, et ça ne serait pas bon non plus, mais sentez vraiment la mécanique au niveau de la fesse. Allez. La jambe d'appui est souple. Hein. Vous avez la jambe fléchie. Faites attention à ce que le genou ne parte pas trop en avant. Parfait. Vous restez en haut. Vous checkez au passage le transverse, le périnée, la posture. Et maintenant, sans lancer, là je lance. Non, par l'accompagnement, toujours en serrant la fesse, toujours ici. Donc elle est en tension. Et en travaillant vraiment sur l'élasticité. Je produis un petit geste, tout petit. C'est exactement ce que je vous demandais tout à l'heure sur les bras, quand je disais ne lancez pas les bras, mais pilotez le mouvement. Et bien, c'est exactement la même chose. Allez. 5, 6, 7, 8. Posez bien le travail. Cherchez les alignements avec le bassin, les épaules, et on revient en amplitude. On revient devant et on souffle. Deuxième. Donc c'est subtil hein, de sentir la course musculaire, la tension musculaire, mais pas extrême, et de sentir voilà, que ça ne flotte pas. Vous en avez pleinement le contrôle. 6. Septième. 8. 9. Encore une. Et 10. Parfait. Ensuite, vous allez venir avec la jambe sur le côté. Vous stabilisez bien la position. Vous tendez la jambe. Vous laissez le pied en neutre. Alors, je me mets de face pour que vous ayez plus de rendu. Imaginez que je tiens la chaise. Hein. Vous êtes ici. Donc, attention à ne pas partir à la dérive. Encore une fois, l'alignement. Et vous montez ici tranquillement. On l'a fait la dernière. Tu rejoins dans la jambe. Et mise en tension. Et ici, des petits. Allez, 10, 15 ou 20 mouvements. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vous embête avec toutes mes consignes, mais ne rebondissez pas, ne faites pas ça. Hop, 16. Et placez bien le corps, l'alignement, l'équilibre. Parfait. On revient, on se remet à la chaise. Jambes ouvertes, genoux, point de pied orienté extérieur. On inspire, on souffle. Check, transverse, périnée, fessier. 3. Et 10, vous pouvez faire une pause. Alors, l'exercice en soi, il n'est pas méchant. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément est-ce que vous êtes capable de fléchir ou de remonter, ça fait 15 ans. Mais c'est de sentir tout ce qui se passe autour. La poussée dans les pieds, la contraction, la contraction entre les abdos fessiers, l'engagement du périnée et du transverse. Parfait, stop, on récupère, on se remet en place. Donc la même chose, mais de l'autre côté. Donc vous imaginez bien. Souple sur la jambe d'appui, la recherche d'équilibre, bassin épaule dans l'axe, engagé le transverse, hop, c'est parti, amplitude. On va travailler avec la fesse, on redescend tranquillement, on inspire. Donc regardez bien la posture de votre dos. Et quand vous montez l'hanche vers l'arrière, vous risquez de favoriser le creux ouvert. Donc faites super attention.
6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on reprend les bonnes postures, le bon équilibre. Encore une fois, je mise sur la contraction, petit mouvement, pas de prise d'élan, pas de prise de vitesse. 4, 5, 6, parce que votre hanche dérive sur le côté ou est-ce que vous êtes bien dans l'équilibre? 8, 9, 10, on revient à nouveau. Inspirez, pensez transverse à nouveau, protégez votre dos. Donc là, si on est vraiment dans une recherche de gale et de maintien, on est dans l'objectif, hein. Il y a de la force aussi dans ce qu'on produit là. Donc on va tonifier le muscle, on va lui donner vraiment de la matière. On ne va pas travailler non plus sur du volume, ce n'est pas le but. Ça ne servira à rien. Encore deux fois. Dernière fois. Et on revient. Parfait. La même jambe. Vous la déportez sur le côté. Stabilisez. Hanche, jambier. Et on reprend vos mises en tension et contraction. 3, 4, 5, 6, 7. On le fera sans chaise après. Hein. On l'a déjà fait, mais on le refera sans chaise aussi. 13, 14, 15. Allez, si vous le souhaitez, il en reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Marchez un petit peu. Hydratez-vous. Va passer sur la dernière partie des abdos parce que oui, ça passe vite. Ça passe même très vite. Allez, venez vous installer tranquillement. Pensez à bien boire. Même si on n'a pas toujours soif. Alors, une fois que vous êtes ici, ce que je vous demandais, c'est de partir tête au sol. Les épaules relâchées, les bras le long du corps, vous allez inspirer. Vous allez expirer. En expirant, vous devez sentir que le transverse se contracte. Là-dessus, vous allez engager également les grands droits. Et lorsque vous allez souffler, à ce moment-là, ce que je vous demandais, c'est de venir imprimer les lombaires dans le sol. Faire la fameuse rétroversion que l'on a faite debout tout à l'heure. Mais vous allez la faire parce que les abdos engagent le mouvement. D'accord? Pas simplement sur un mouvement dynamique au niveau des hanches, mais vraiment par la contraction de vos abdominaux avec la conscience qui va avec. On relâche, on inspire. On en refait 10 comme ça. Voilà, pensez à votre périnée. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Voyez, là, en termes de mobilité, ça va détendre les vertèbres aussi au niveau du dos. Huitième. Neuvième. Et la dernière. Parfait. Vous lâchez la rétroversion. Vous revenez en position neutre, donc la position que vous aviez initialement quand vous êtes couché au sol. Vous allez placer les mains derrière la tête. Vous levez les épaules vers le plafond. Vous allez stabiliser la position. Vous allez juste venir placer votre bras gauche à l'extérieur de votre genou droit. Tête en arrière. Le bras droit bien écarté, vous allez appuyer avec le dessus de la main et vous tournez légèrement les épaules sur le côté. Voilà, on tient, on souffle. On revient, on lève la main, on inspire. Comme si vous mettiez un coup de sabre. Revenez avec le bras sur le côté, prenez appui, tournez les épaules, appuyez avec la main, le dessus de la main sur le genou. Et revenez, inspirer. Troisième. Inspirez. Quatrième. Et cinquième. N'oubliez pas de périnée. Parfait. Vous faites la même chose de côté. Vous avez cette position. Hop. On inspire. On vient placer l'extérieur du genou. On tourne les épaules au passage. On maintient la tête en arrière. Les épaules sont décollées. On souffle. Et inspire. Et on repasse. Inspirez, troisième. Quatrième.
Et la cinquième? Parfait. Pour finir, soit vous gardez la tête au sol, les bras le long du corps et vous refaites l'exercice précédent, soit vous placez la main dans la tête, vous levez un petit peu les épaules, vous inspirez et à nouveau, on reprend la rétroversion par la contraction des abdos. Et on inspire. Et on bascule. Inspirez. Troisième. Quatrième. Allez, je l'ai passé un petit peu, mais c'est pas grave. On finit la série 10. Cinquième. Sixième. Huitième. Neuvième. Et la toute dernière aspect. Et soufflez. Parfait. Posez la tête, attrapez les genoux. Un grand bravo à toutes. C'est bien. Allez, détendez bien le dos. Si vous voulez rester sur le dos, vous restez un petit peu sur le dos, vous mettez sur les genoux. Vous faites tourner les genoux de part et d'autre pour détendre un petit peu les lombaires dans un sens, dans l'autre. Ça ne pourra vous faire que du bien. Voilà. Prenez du temps pour vous, juste pour préciser ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on est sur vraiment un travail de conscience, de contrôle. C'est pour ça que je dis plutôt privilégier les contractions musculaires pour obtenir du gain, pour obtenir du résultat, pour dessiner la silhouette et surtout ne pas créer de mouvements parasitaires qui pourraient vous faire mal. Après, évidemment, quand tout ça sera en place, on aura un autre aspect des choses avec un travail beaucoup plus dynamique pour justement donner un petit peu de peps. Mais c'est un autre travail, c'est un travail complémentaire. Vraiment dans Magic, c'est vraiment on construit, on met les choses en place, on ressent surtout, ça c'est hyper important. Et après, on aura le temps d'évoluer au fur et à mesure. Voilà. N'hésitez pas à prolonger un petit peu les étirements si vous pouvez, si vous le souhaitez. Merci infiniment. Hydratez-vous bien. Et pour ceux qui sont motivés, on se retrouve demain soir. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.